Voici des allumettes au comté au parmesan, madame, monsieur. Alors, madame, monsieur, je vous explique. Donc, on débute ce repas avec deux premières préparations. La première est autour de l'oursin. Vous avez une fine tartelette croustillante avec langue d'oursin, gelée d'oursin. Sur le dessus, c'est un dôme de stracciatella, donc c'est le cœur de la burrata, qui est elle-même parfumée avec des copeaux de caviar séché et zeste de citron vert. Donc le chef préconise vraiment de manger directement en une bouchée ou deux bouchées, donc à la bouche. La seconde, autour du crabe, donc là on est sur un petit flan moelleux, dashi, connotation un petit peu japonaise. Sur le dessus, vous avez un léger flan émulsion à l'anis, fumé. Vous connaissez? Ah bah oui. Faut que je vous trouve autre chose pour la prochaine. Alors vous allez continuer avec une bisque de homard que vous allez boire comme un petit cappuccino. Faites attention, la tasse n'est pas stable. Faites-le vraiment comme un petit shot. Allez. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes Mehdi, l'adjoint de Frédéric Anton. J'aime bien dans les cuisines. Vous n'êtes pas encore passé au... Non, pas du tout, non, c'est vraiment en plus, ça nous sert, mais essentiellement on est plus sur le fourneau avec la farce à gratin. C'est un domaine relativement jeune, mais qu'on trouve à beaucoup de promesses, qui travaille très bien, madame de Mionville. Là, vous êtes sur ces cuvées de l'Écotière. Alors, madame, monsieur, on poursuit avec la Saint-Jacques. Vous avez une noix de Saint-Jacques qui est rôtie dans un beurre de romarin. Bonne continuation. Je vais prendre ça. Et donc là, vous avez la raviole de langoustine accompagnée d'une crème de foie gras. Et sur le dessus, une fine gelée accompagnée de feuilles d'or. Ça, vous allez voir, magnifique. Le Château Neuf du Pape, donc ici, le Château Neuf du Pape blanc, le croc de ma mère, en 2017, de la famille Maillard. Continuons. Donc pour ce plat-ci, vous allez retrouver la brandade moelleuse et filocher les cabillauds, pain puré, ail rôti et poudre d'algues séchées. Belle dégustation. Tous nos clients doivent partir avec des bronchites. Là, c'est le saumon. C'est un saumon qui est confit à l'huile d'olive et il est fumé au bois de cerisier. Et en accompagnement, vous avez une petite sauce rouge qui est faite avec wasabi. Et vous avez également des sésames, des petits sésames. Vous allez voir, c'est un petit wasabi vraiment léger. Hein. Alors, c'est un sorbet champagne dessous avec caviar de France. Bonne continuation. On est en Corse, évidemment. Sur un 100% Sacarello. Et voici madame, monsieur, pour continuer, vous trouvez ici le lièvre la royale façon sénateur couteau. Dans cette assiette, vous trouvez ici un effiloché de lièvre qui est cuit et mariné pendant 24 heures dans du vin rouge, cognac et échalote. Et comme accompagnement, des petites pâtes à la truffe et parmesan. Bonne écarte à vous. On l'utilise maintenant pour autre chose, mais à l'époque c'est vraiment là où on avait donc tout ce qui va être pour les découpes. Donc vous avez votre pièce de viande, vous avez vos bains-maries pour pouvoir vos sauces et tout à température parfaite. Vous regardez la température idéale pour la découpe, que ce soit sur des gigots. Pour continuer madame, monsieur, le fromage. Aujourd'hui le chef vous propose une forme de soufflé chaud cuit vapeur avec une crème au vieux comté et la truffe d'hiver. Et par-dessus, brisure de truffe et petites pousses, des mourons, des oiseaux. Bonne décarte à vous. On est en Alsace cette fois-ci, on va sur un Gewürztraminer sur le domaine Ostertag, sur le village de Frontholz. On est donc juste ici sur le millésime 2016. On va chercher donc un vin plutôt moelleux. On est vraiment sur une identité assez gourmande du Gewürztraminer, à la fois sur les fruits exotiques confits. On va chercher un peu de litchi, de mangue, on cherche ce vieux rose qui est même un peu de rose séché pour apporter cette expression totale du Gewürztraminer avec vraiment cette amplitude et cette longueur en bouche qui est vraiment unique à ce cépage. Et voici madame, monsieur, pour continuer, être ici le dessert, c'est le premier dessert de ce menu. Alors au fond de ce bol, trouve ici un sablé pollen, crème glacée miel, marmelade de citron confit. Et pour finir le dessus, c'est un zéphyr, c'est une mousse très légère ou yaourt infusée aux feuilles de cédrat parsemée de pollen frais, de miel frais et de pétales fleurs de souci. Et vraiment, la pâtisserie conseille d'aller chercher le fond du vol avec la cuillère pour avoir la totalité du dessert et des saveurs. Voilà, bonne écarte à vous. Et voici madame, monsieur, pour continuer, le chocolat. Tarte au chocolat légèrement amère et fondante et d'une crème glacée à la pistache, pistache torréfiée. Bonne découverte à vous. Et voici juste pour finir en douceur, madame, monsieur, la première c'est une petite tartelette au citron jaune, citron vert avec meringue croustillante par-dessus. Et la deuxième c'est autour du chou, c'est un petit chou praliné avec un crémeux à la noix de cajou avec par-dessus une mousse vanillée et une petite pointe de caramel à la fleur de sel. Bonne découverte à vous.